Bonjour, je m'appelle Richard Bott et je suis le modérateur de l'Église Nid du Canada. En ce moment, je me prépare à déménager. Oui, en pleine pandémie. Pourquoi? Parce que il faut. Je n'ai pas de choix. C'est difficile. Je veux faire toutes les choses maintenant, en même temps, tout. Laver les murs, peinturer, acheter les boîtes, les remplir, demander le transfert de la connexion Internet, donner des choses, jeter des choses. Ah, trouver un logement. Je vais faire toutes les choses en même temps, maintenant, mais c'est impossible. C'est ma réaction au stress. J'essaie de faire toutes les choses en même temps et quand je n'y arrive pas, je fige. Mais écoutez, dans ce monde, il y a un temps pour tout. Et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà les mots de qu’il dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. La saison de l'avant n'est pas simplement un temps d'attente. C'est un temps de préparation. Quand on se prépare pour la venue d'un bébé comme Jésus, pour un déménagement comme le mien, nous devons nous souvenir qu'il y a des choses importantes et des choses moins importantes. Et qu'il y a un temps pour chaque chose dans l'ordre. Il y a des fois où nous devons chercher l'ordre avec Dieu et puis agir. Nous devons marcher en faisant un pas à la fois, sans peur, sans souci. Parce que Dieu est ici. Dieu est avec nous. Dieu est avec ce monde blessé. C'est le message de Nöel, n'est-ce pas? Dans les bons et les mauvais moments, dans la vie, dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. L'avant et la fête de Nöel seront différents cette année.
de tout ce que nous avons en nous. Nous devrons limiter nos déplacements, garder nos distances et couvrir notre visage. Aucune de ces choses ne facilite nos célébrations, mais elles sont nécessaires pour la santé et la vie, la nôtre et celle de nos voisins. Peut-être que la distance physique qu'apporte cette pandémie nous permet de préparer notre vie spirituelle, notre vie intérieure pour l'enfant Christ. Un pas à la fois, dans l'ordre des choses. Que la grâce de Jésus soit avec vous.